lancé le projet il y a 3 ans, donc là ça, on va clôturer cette 3e édition en fin d'après-midi. C'est un tournoi international qu'on cherche à pérenniser et développer depuis les 3 saisons, en termes d'infrastructure, du village, en termes d'horaire de match aussi, en termes de nombre d'équipes. C'est un travail qui dure sur une saison complète, avec un nombre de bénévoles importants qui font vivre ce tournoi. Je pense notamment aussi aux familles d'accueil, aux arbitres qui sont les jeunes du club, aux salariés qui sont là. Donc voilà, c'est vraiment un projet qui est familial, comme le club Estac, c'est à son image. L'objectif, c'est de développer aussi cette image dans le département et puis à l'international. Voilà, avec des petites modifications. Là, il y a une équipe de l'île de la Réunion qui vient compléter les équipes, on va dire, dites étrangères, avec Toronto, une équipe de Luxembourg. On a Metz qui arrive aussi, qui vient compléter le tableau. Donc on essaie de se renforcer chaque année, d'être dans la continuité, parce que le plateau à 90% est le même que les saisons précédentes. Donc on est vraiment content et fier de cette nouvelle édition-là, de cette 3e édition, qui confirme un petit peu ce dont pourquoi on fait le tournoi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, avoir le sourire sur tous les joueurs, avoir des jeunes amateurs contre des clubs pros, que ça puisse faire des belles confrontations. Et l'objectif est pourtant rempli. Tous les retours qu'on a eus sont positifs jusqu'à présent. Donc on va attaquer les demi-finales cet après-midi avec des beaux matchs. Donc on espère que ce tournoi se terminera comme il a commencé.